Bonjour, je voudrais qu'on fasse ensemble ces exercices sur la Khan Academy. Alors ici, on nous dit que l'unité est le grand carré. Donc là, j'ai un grand carré qui est donc qui représente une unité et puis un autre grand carré qui représente une unité aussi. Alors, on nous dit à quel nombre correspond la partie coloriée en bleu et on nous propose ces trois réponses qui sont là. Alors, on va regarder un peu le dessin. Donc la partie coloriée en bleu, c'est ce qui nous intéresse. Alors, on pourrait voir ça comme ça. On a déjà un grand carré qui est entièrement colorié en bleu, donc une unité qui est coloriée en bleu. Et puis l'autre grand carré qui est là, il n'est pas entièrement colorié, mais on peut voir qu'il a été divisé en dixièmes. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dixièmes, 10 dix parties. Il a été partagé en 10 parties. Donc chaque partie correspond à un dixième. Et en fait, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui sont coloriés en bleu. Donc on a ici une unité coloriée en bleu et 8 dixièmes euh, qui sont coloriés en bleu. Donc la réponse ça pourrait être 1,8 une unité et puis ici 0,8. Alors voilà ça c'est une réponse mais on va quand même on donne une indication ici ça peut il peut y avoir plusieurs bonnes réponses donc c'est quand même un bon réflexe d'aller regarder les deux autres réponses. Ici, on nous dit 18 dixièmes. Alors, 18 dixièmes, effectivement, en fait, tu vois là, ce grand carré là, ce carré unité, il est lui aussi divisé en dixièmes. Et en fait, il est entièrement colorié en bleu. Donc, j'ai 10 dixièmes ici qui sont coloriés, plus 8 dixièmes qui sont là. Donc, en tout, j'ai effectivement 18 dixièmes qui sont coloriés en bleu. Donc, ça, c'est une bonne réponse. Alors, la troisième, elle n'est pas bonne, par contre, parce que j'ai 0 unité. 1 dixième et 8 centièmes. Alors 0 unité, ce n'est pas le cas, puisque ici, j'ai une unité qui est coloriée en bleu. Et puis ici, il me faudrait 8 dixièmes, alors que là, j'ai que 1 dixième qui est là. Donc là, en fait, cette réponse-là est fausse. La virgule est mal placée. Voilà. Allez, on continue. On va voir si ça, c'est juste. Et puis, on va continuer. Voilà. On en fait un autre. Alors, ici, on nous dit d'écrire 37 dixièmes sous la forme d'un nombre décimal. Alors, 37 dixièmes, on peut le voir comme ça. En fait, j'ai déjà, je vais l'écrire d'ailleurs, hein, j'ai 30 dixièmes. 37 dixièmes, c'est 30 dixièmes plus 7 dixièmes. 30 dixièmes plus 7 dixièmes. Alors, pourquoi je fais ça ben, Tout simplement parce qu'ici, j'ai 30 dixièmes. Et 30 dixièmes, qu'est-ce que c'est Eh bien en fait, alors un 10 dixièmes, c'est une unité. Donc là, j'ai 10 dixièmes plus 10 dixièmes plus 10 dixièmes, ou 3 fois 10 dixièmes, si tu veux. Donc j'ai 3, 3 unités, en fait. 3 fois une unité. Et donc ça, ça fait 3. Hein. Donc 30 dixièmes, c'est 3 plus 7 dixièmes. Donc tu vois, le résultat, en fait, c'est 3 et 7 dixièmes. Et 3 et 7 dixièmes, évidemment, on doit nous, on nous le dit ici, il faut écrire ça sous la forme d'un nombre décimal. Alors, pour écrire 3 et 7 dixièmes, je peux tout simplement écrire 3,7 avec le nombre de dixièmes à la place des dixièmes. Voilà, on va voir si c'est juste, et puis on va en faire quelques autres. OK. Allez, on continue. On nous demande maintenant d'écrire 203 centièmes sous forme de nombre décimal. Alors là, on nous propose... Des réponses, donc euh, on va réfléchir exactement de la même manière. 203 centièmes, c'est 200 centièmes plus 3 centièmes. Et 200 centièmes, en fait, 100 centièmes, c'est une unité, donc 200 centièmes, c'est deux unités. Donc dans 203 centièmes, j'ai 200 centièmes plus 3 centièmes, c'est-à-dire deux unités plus 3 centièmes. Et donc la réponse, eh bien, c'est celle-ci. Hein. On va quand même regarder les autres. Ici, j'ai zéro unité, donc ça va pas. 2 dixièmes, 0 centièmes et 3 millièmes. Donc tu vois que ça, ça ne va pas du tout. Et puis ici, j'ai 203. Alors évidemment, 203 ne peut pas être égal à 203 centièmes. Donc la réponse, la bonne réponse, c'est celle-là. deux unités, 0 dixièmes et 3 centièmes, ou bien 203 centièmes. On continue. Cette fois-ci, on nous demande quelle est l'abscisse du point bleu. Alors, le point bleu, il est ici, tu vois, ça c'est la droite numérique graduée. On part de 0. Ici, ce segment-là, euh, le segment de 0 à 1, il a été divisé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dixièmes. Donc, chaque petite partie représente 1 dixième. Alors, l'abscisse du point bleu, on a déjà une unité. Et puis ensuite, 1, 2, 3, 4 dixièmes. Donc, l'abscisse du point bleu, c'est une unité et 4 dixièmes. Alors, on peut l'écrire comme 1,4 une unité et quatre dixièmes, c'est exactement ça. Alors bon, là aussi on va quand même regarder les autres réponses. La première, 1,04, ça c'est une unité, 0 dixième et 4 centièmes, ça ne ça va pas. Et par contre ici, celle-là, 14 dixièmes. Alors effectivement, c'est 14 dixièmes. Et si tu comptes combien il y a de dixièmes en partant de 0 pour aller jusqu'au point bleu, eh bien il y en a 10 ici plus 4 là, c'est-à-dire 14. Donc cette réponse-là est bonne aussi. On va voir si c'est juste. Voilà, et on va continuer. Alors ici, comment pourrait-on écrire 3,4 en lettres Alors 3,4 c'est 3 unités et 4 dixièmes. Et alors on nous propose ces réponses-là. Il n'y a pas 3 unités et 4 dixièmes, et on peut procéder par élimination. Déjà, ça ne peut pas être 34 unités, ça c'est certain, puisque ici, ça c'est plus petit que 10. Et ce qu'on a dit, c'est qu'on avait... 3 unités et 4 dixièmes, mais 3 unités, on peut le convertir en dixièmes. Une unité, c'est 10 dixièmes, donc 3 unités, c'est 30 dixièmes. Donc là, dans 3,4, on a 30 dixièmes plus 4 dixièmes, c'est-à-dire 34 dixièmes. Donc ça, c'est la bonne réponse, et celle-là ne peut pas être bonne non plus. Allez, on continue. Écrire 2,04 en nombre de centièmes. Alors, c'est le même genre que tout à l'heure. On a ici deux unités, 0 dixième et 4 centièmes. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on on peut essayer de convertir ces deux unités en centièmes. Une unité, c'est 100 centièmes, donc deux unités, c'est 200 centièmes. Donc là j'ai 200 centièmes. Ici 0 centièmes et puis 4 centièmes. En tout, j'ai donc 204 centièmes. 204 centièmes. Allez, on continue encore. Alors ça c'est dans l'autre sens, on nous demande maintenant d'écrire 102 centièmes sous la forme d'un nombre décimal. Donc je peux le considérer comme 100 centièmes plus 2 centièmes, et 100 centièmes, eh bien c'est exactement une unité. Donc là je vais avoir 1, alors j'ai donc 100 centièmes, donc une unité, ensuite combien j'ai de dixièmes Eh bien 0. Je n'ai pas de dixièmes, j'ai 100 centièmes plus 2 centièmes, donc je vais l'écrire comme ça. Une unité, c'est-à-dire 100 centièmes, 0 dixièmes et 2 centièmes en tout, j'ai bien 102 centièmes. On continue avec ce dernier, ce dernier exercice. Comment pourrait-on écrire 2,60 en lettres Alors, avant de regarder les réponses, on va raisonner sur ce nombre-là. On a deux unités, 6 dixièmes et 0 centièmes. On va regarder les réponses. Alors deux unités, ça c'est bien. Et 6 centièmes, ça ça va pas, puisque on n'a pas 6 centièmes, on a 6 dixièmes et 0 centièmes. Donc ça, c'est pas possible. La deuxième, 260 centièmes. Alors ça, c'est intéressant. Le 2 qui est là, les deux unités, c'est 200 centièmes. Ici, on a six dixièmes. Mais 1 dixième, c'est dix centièmes. Donc en fait, on a ici ça, cette partie-là, 60, c'est 60 centièmes. Donc on a là-dedans. 200 centièmes plus 60 centièmes, c'est-à-dire 260 centièmes. Ça, c'est la bonne réponse. Évidemment, ça ne peut pas être 270 dixièmes ici, puisque la virgule serait placée à côté, après le 6. Voilà, on va vérifier ça, et puis on s'arrête pour cette vidéo. C'est la bonne réponse, alors à bientôt.